Et c'est parti pour une nouvelle saison. On est parti. En un peu en retard, hein, mais on part là, il fait super chaud. Et on n'a toujours pas fait la visite de printemps, donc là on part. Je sais pas si ça se voit, mais on a carrément la remorque derrière. Allez, c'est parti pour le printemps 2021. J'espère qu'elles vont bien travailler les fifilles. Hein. Allez, à tout de suite sur le rucher. Allez, on est parti. Voilà, 26 degrés. Allez, on se rejoint au rucher. Et voilà, putain, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir de revoir les fifilles. Voilà, on y est, ça vole bien, ça vole bien. Elles sont là, les filles, elles sont là. Ceux-là, on va les passer en ruche, ça doit exploser. Enlever les portes d'entrée. Mettre tes premières ruches sur certainement. L'autruchette, on va passer en ruche. Ouais. Eh ouais, putain. À Montcalou, ça fait plaisir de venir les voir. Ça fait longtemps. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et puis on bosse. C'est pas trop dans la bleue là-bas. Ah, la bleue, toi, elle bosse pas. Hein. Allez, on va voir tout ça. Allez, on est parti. Calou, il est chargé comme une mule. Bon bah moi j'ai pris la caméra. Chut, faut pas lui dire, il sait pas. Allez, putain. Ah la vache, on est content de les revoir, hein, les didines. Ça bosse dur là. Putain, la jaune elle y va là. La jaune là, ça arrête pas. Partout, hein. Ça doit être blindé. Hein. Allez, on va voir ça, on va ouvrir, on va faire les cellules, on va enlever les plateaux, on va mettre des hausses. Allez, on est parti là parce qu'on est en retard. Ouais, avec les déménagements et tout. On a eu le temps de rien faire. Allez, on est parti avec Calou. C'est parti. Il va peut-être falloir, ça va peut-être être collé. Donne-moi le câble. Pour décoller. C'est bon pour toi, je lève. Non, c'est bon. Allez. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bien. Je suis pas bien derrière. Je suis pas bien derrière. T'as enlevé la porte d'entrée ou non? Ouais. Bon. J'irai chercher la porte. Ça on va enlever. Ah putain, on n'a pas pris non plus les trucs en. Les œufs. C'est où? Là-dessous, ça ronronne. Ah, il devient pas mal. Regarde ça. Oh là là. Oh. Oh. Non, on peut pas mettre de haut, ça. Y a rien.
fait, on n'est pas si en retard que ça. Ah bon, quand même. Ouais. T'as du miel là-haut, mais c'est du vieux miel. Ah, c'est du vieux. Oui. Même pas de couvain. Il y a un peu de nectar là de rentrer là. Bon, bah là, il n'y a pas. Il ne faut pas mettre de. Un peu de nectar aussi. Il y a un peu de pollen aussi. Hein. Nectar, pollen. Nectar, hein. Le nectar là, il est bien rentré. C'est bien. Ça sent. Tu sens là-dedans comment ça sent? Du mal. Voilà, regarde tout. C'est pondu partout. La musette, regarde. Et ici, la musette. On a posé là, sur le côté. On va voir l'autre côté. Et ouais, c'est tout pondu à l'intérieur, tout frais. La reine, pour toi, elle est pas bon. Mais là, elle a pas de peinture, cette reine. Celle-là, c'est une qu'on avait récupéré une SNH. Ouais. C'est ça qui me fait peur, parce que là. Ça va tout pondu et tout pondu. Ça rentre un peu le nectar. Ça, c'est une SNH, ça. Elle en gêne. Et tu vois ça. T'as à te faire gaffe, c'est mieux, c'est bon. Quand ça sent bon. Non. Donc il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Je sais pas ce que tu as ton point. Ouais, je pensais qu'il y en a plus. Par contre, pas lui. Ouais. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Oh, ouais, tout ça, notre enlevé. Ah non, même les ponts entre les deux cadres, je crois qu'on est en train de faire comme ça. Ouais, celle-là. On est dans la transition entre les nouvelles abeilles et les anciennes. Donc, bon, ça va qu'il y a, tu vois, il y a un beau placard, c'est pondu. C'est pondu quand même. Hein. C'est pondu, t'as du pollen. Ouais. En l'espace d'une semaine, ça se trouve, on va mettre une hausse, mais là on a plus de temps. Là c'est noir. Pas de quoi. On va la mettre en attente. Ouais. On va marquer. Au-dessus, en attente, mais. Ouais, non, elle n'est pas sortie, elle n'a pas été tombée ou quoi. C'est une amusette. Ouais. Non, celui-là c'est que du miel pollen. Miel pollen, merci. Et l'autre, c'est celui-là. On va chercher un cadre pour qu'ils aillent le construire. Je vais en chercher. Tu vas en chercher un dans la toute première ruche. Ouais. Ouais, il est vide de chez vide le cadre là. On va faire là, c'est que la hausse on va la mettre mais au-dessus du cadre du couvre-cadre. Comme ça, quand il y en aura besoin, on l'aura. Je remets le couvre-cadre.
préfères faire la deuxième. Ouais. Ouais. Ça, on les enlève, on les ramène à la maison. Ouais, je l'ai nettoyé. Bon, allez, voilà la première. Donc, la première. Hop, hop, hop. Donc, la première. Eh ben, il n'y a pas assez de zaza. C'est pas assez rempli pour mettre la hausse. Donc, ce qu'on a fait, c'est que la hausse, on l'a mis en attente. On l'a mis au-dessus du couvre-cadre. Comme ça. Dès qu'il y aura besoin de mettre la hausse, on a juste à intervertir, mettre la grille à rennes, mettre la hausse et intervertir avec le couvre-cadre. Donc c'est en attente, au-dessus du couvre-cadre, les ASA ne peuvent pas y aller. Et puis nous, ça fait un peu plus de place à la maison. Voilà, on passe à la deuxième. Allez, Calou, à vous. On est bien là. Moi je suis bien derrière. Ah ouais, c'est bien. Voilà. Comme on vient de voir avec Calou, on change tous les planchers. On n'a pas pu le faire avant, donc ben, on le fait maintenant. Voilà. Non, il va faire un tour sur la ruche, voir s'il y a tiens Calou. Donc les colzas commencent à fleurir nous à côté, donc là, vraiment faut se tenir prêt. C'est le moment. C'est le moment ou jamais. On a mis une partie de. Ouais, il y a une partition sur celle-là. Elle est sur, sur 8 cadres. Hiverner sur 8 cadres. T'aurais pu commencer de l'autre côté où t'as la partition, comme ça t'as la place, t'enlèves la partoche. Ouais, on va retourner. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Qu'est-ce que ça nous dit? Donc on y va délicatement comme Calou il nous fait. Bon, c'est la première. Bon, il y a ouais. Du miel, hein. C'est le restant de cet hiver. Pareil, voilà. Voilà. On fait bien gaffe. Il n'y ait pas de cellules. Bon là, hein, comme on voit, ça m'a pas l'air. Il y a encore de la place hein, avant qu'il y ait des cellules. Ça, il nettoie là, il nettoie. T'es en train de nettoyer les cadres qui restaient. On enlève les ponts. On voit bien qu'elle où enlever les ponts là, intercadre. Ah là on les voit un peu dessus. Ah du pollen, nectar. Voilà. Pollen, nectar un peu. Okay. Ça c'est de l'ancien miel. Ouais. Bon là ça va commencer. Je commence à apercevoir du couvain. C'est magnifique. La nature revient, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Moi ouais, j'adore. Voilà, le couvain. Regardez ce couvain. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. Et de côté. Couvain operculé. Il doit y avoir de la ponte là-dedans, je présume. Ouais, il y a de la ponte. Il y a de la ponte. Voilà, c'est pondu. Il y a de la ponte. Des deux côtés. Bah, on est beau. Il y a de la ponte. On est bien, Tintin. Voilà. Ça va s'agrandir. Tranquillement, ça va s'agrandir. On nettoie. Calou nettoie là.
Belle petite femme de ménage. Ah, du couvain encore. Du bon couvain. Ouais, encore du couvain. Ouais. Des deux côtés, avec de la ponte. Ouais. Que demander de plus? Pas de cellule. Ouais. Encore du couvain. Troisième cale de couvain. Ouais. De deux côtés. Ben, montre-nous là. Il meurt d'envie de voir tout ce beau couvain là. Regardez ça. Voilà. Là vous voyez pas. On le voit dans les cellules. Hop. Voilà. Ça fait le point. Là, regardez le beau nectar qui est rentré. Là, ce qu'on voit, c'est le pollen. On va essayer de voir dans une cellule si on voit une petite larve. On voit bien. Penche un peu là, c'est les larves là qu'on voit. Voilà, est-ce que vous... Je sais pas si vous voyez, mais on voit bien les larves. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a là, mon cadeau? Oh, du pollen, un peu de nectar. Pollen, nectar. Ok. Beaucoup de pollen, là, par contre. Hein. Ah, c'est énormément de pollen. C'est bien, ça. Ouais. C'est bien, les petites vont pouvoir grandir. Continue. Ils auront à manger. Du miel, hein. Miel. Pas de cellule. Restant de miel. Ok. Là, c'est du restant.